par la raison ou par la force. Telle est la devise du pays. Nous sommes en 1540. Cet homme s'appelle Pedro de Valdivia. Il vient demander à Charles Quint, roi d'Espagne, la gouvernance du Chili. Le roi lui demande « Où est-ce donc ?» Ouvrant une carte, celui-ci trace de son doigt une fine ligne. Le roi, devant l'insignifiance du territoire demandé, acquiesça. En réalité, Pedro de Valdivia devient gouverneur d'un pays grand comme une fois et demie l'Espagne. Le Chili, terre des extrêmes et de l'insolite. Depuis le désert d'Atacama au nord jusqu'aux icebergs de l'Antarctique au sud, le pays s'étire sur 4300 km de longueur. 355 km de largeur séparent les Andes à l'est, qui forment une muraille atteignant 7000 mètres d'altitude, des immensités du Pacifique à l'ouest. Notre voyage commence à Santiago du Chili. Cette ville de 5 millions d'habitants se situe entre les extrémités nord et sud du pays. Revenons sur l'histoire du Chili. Tout d'abord, le nom du pays. Il vient du mot neige, qui se prononce en indien mapuche, Chili. C'est Ferdinand de Magellan, en 1520, qui découvre ce territoire. Les 30 années suivantes ne sont qu'une suite d'affrontements impitoyables entre les conquistadors espagnols et les populations indigènes. Le Chili tombe alors sous la domination espagnole, et ce n'est qu'en 1810 que l'indépendance de la nation est proclamée. Dans les années 70, le général Pinochet a exercé une dictature sanglante pendant plus de 10 ans. Le pays est maintenant devenu une démocratie et s'ouvre au tourisme. Le Mercado Central est le principal marché de Santiago. Son architecture, en fer forgé, date de 1872. Dans une atmosphère animée et pittoresque, se côtoient les produits frais et les arrivages de produits de la mer. La cathédrale actuelle de Santiago est la cinquième à occuper le site, la première ayant succombé à un incendie, puis les trois suivantes à des tremblements de terre. Après cette visite de la ville, nous montons sur la colline Santa Lucia. C'est en 1872 que ce monticule rocheux a été aménagé en jardin, terrasse et fontaine, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. C'est du haut de cette colline historique que le 13 décembre 1540, le conquistador Pedro de Valdivia décide de fonder la ville et de la nommer Santiago, en l'honneur de Saint-Jacques de Compostelle, sa province d'origine. En vol matinal pour Calama, nous survolons la cordillère des Andes ainsi que son point culminant, l'Aconcagua, 6970 mètres. Avant d'arriver à Calama, nous passons au-dessus de la spectaculaire mine de cuivre de Chuquicamata. C'est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. D'une profondeur de 850 mètres, elle couvre une superficie de 8 km carrés. L'exploitation de la mine est assurée par l'entreprise Codelco, détenue à 100% par l'État chilien. Après un atterrissage sans encombre à Calama, nous allons prendre place dans notre minibus qui nous conduira jusqu'à San Pedro de Atacama.
Arrêt en chemin pour admirer un point de vue exceptionnel sur le désert environnant. C'est d'une aridité extrême. Il n'y a pas la moindre trace de vie. Petit regard inquiet vers le bus, il a l'air en bon état et j'ai pas l'intention de tomber en panne en plein désert. Village Oasis, situé en plein désert, San Pedro de Atacama est situé dans le bassin du Salar d'Atacama. San Pedro existait bien avant l'ère Inca. Les peuples acatameños y développèrent une civilisation avancée. Les Espagnols occupèrent la région à partir du XVIe siècle. C'est aujourd'hui le point de départ de nombreuses excursions. L'église de San Pedro est l'une des plus anciennes du pays. Elle date du XVIe siècle. Elle est construite en briques d'adobe, un mélange d'eau, d'argile et de paille. Le village est dominé par deux volcans situés à une trentaine de kilomètres, le Licán Cabur et le Sare Cabur, d'environ 5900 mètres de hauteur. Arrêt déjeuner pour déguster l'incontournable et récurrente spécialité chilienne, el pollo, le poulet. Désormais, il y en aura à tous les repas. En début d'après-midi, nous allons attaquer sous une chaleur écrasante notre première excursion, la vallée de la Lune. Située à 8 km à l'ouest de San Pedro de Atacama, cette cordillère de sel est un endroit exceptionnel. Il y a 30 millions d'années, lors du soulèvement des Andes, les forces tectoniques ont soulevé le fond d'un lac asséché jusqu'à faire surgir cette cordillère de sel. Le vent et le soleil ont depuis sculpté les reliefs. L'atmosphère dégagée par cet endroit est extraordinaire. On a l'impression d'avoir voyagé sur une autre planète. Bref, on a marché sur la Lune. La beauté du paysage rend frénétique tous les photographes en herbe que nous sommes. Vite, il faut immortaliser les paysages et les ramener afin que le rêve perdure. Et la frénésie s'empare de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Super. La descente de cette courte randonnée s'effectuera le long d'une immense dune de sable, attestant de l'important travail d'érosion du vent sur le relief. Retour vers le minibus et sa climatisation. Ça va nous faire un bien fou car nous sommes à la limite du coup de chaleur. Deuxième arrêt, l'amphithéâtre. C'est une cuvette entourée de falaises sur laquelle on peut remarquer une alternance de couches sédimentaires d'argile, de gypse et de sel. Vestige du lointain passé, où cet endroit était un lac. L'extrême diversité de relief des terrains, ainsi que leur alternance de sable et de rochers, ont conduit la NASA à venir tester leurs engins spatiaux ici.
À cause des très faibles précipitations, le sel reste cristallisé en surface, donnant au sol cet aspect enneigé. La présence de ces cristaux de sel, éclairés par le soleil, fait étinceler le désert de mille feux. Dernier arrêt pour admirer une formation géologique bien particulière, la Stres Marias. Ces personnages, agenouillés, sculptés par le vent, semblent lever les bras au ciel, en attendant la pluie peut-être. En fin de journée, nous nous dirigeons vers la vallée de la mort, ainsi nommée car l'aridité et la salinité sont telles qu'elles rendent impossible toutes sortes de vies. Du haut d'un plateau rocheux, nous restons jusqu'au coucher du soleil. Les ombres s'allongent et le paysage s'enflamme. Un moment magique. Mais la température chute brusquement. Retour à San Pedro d'Atacama, sous l'œil du volcan Licancabur. Le lendemain matin, nous partons en direction de la vallée d'Arcoiris. Mon petit déjeuner a du mal à passer, car nous sommes à 3900 mètres d'altitude. Arrivé sur le site de Yerbas Buenas, un délicieux parfum d'herbes aromatiques flotte dans l'air. Le site de Yerbas Buenas recèle de nombreux pétroglyphes, sous forme d'animaux gravés dans la pierre par les Indiens Acatameños, des Indiens pré-Inca, qui vivaient ici il y a 1500 ans. La signification de ces gravures reste encore aujourd'hui un mystère. Mais certains pensent qu'il s'agirait d'un langage imagé, indiquant aux voyageurs de passage la présence de ces animaux. En chemin, nous voyons nos premiers lamas. Vite, l'appareil photo. Petite précision sur les lamas. Les lamas sont les plus proches parents des chameaux. Contrairement à ces derniers, ils n'ont pas de bosse. Tous les chameaux sont originaires d'Amérique du Nord. Il y a 3 millions d'années, une partie des camélidés commence à se disperser vers l'Afrique et l'Asie par le détroit de Bering, et l'autre partie descend le détroit de Panama vers l'Amérique du Sud. Cet animal, d'une hauteur de 1,10 m, est domestiqué depuis des temps immémoriaux par les Indiens qui l'élèvent pour sa laine et pour sa viande. Il faut savoir que toute l'économie inca reposait sur le lama. Capable de parcourir 30 km par jour avec des charges de 50 kg, il fut employé par milliers et permit les transactions commerciales dans un pays au relief difficile. Nous continuons notre visite jusqu'au fond de la vallée d'Arcoiris, la vallée arc-en-ciel. Ici, devant ce délire minéral, notre guide, un peu poète, nous dira que selon la légende, c'est avec cette palette de couleurs que Dieu a peint le monde. C'est l'action combinée du feu d'un ancien volcan et de la pluie qui a façonné avec le temps ce merveilleux endroit. Notre guide nous a raconté qu'une semaine avant nous, la complexité minéralogique extrême du site a rendu complètement hystérique un groupe de géologues qui restait plus de 8 heures à quatre pattes à se remplir les poches de petits cailloux. Thank you.
milieu de ces déserts arides, nous trouvons des ânes qui vivent là à l'état sauvage, en pleine santé, et semblent parfaitement se satisfaire de l'aridité du climat. Ces bouts de laine colorés, qui ornent les oreilles et le dos de ce lama, sont des fleurs. Ce sont des signes de marquage pour reconnaître leur propriétaire. Le désert d'Atacama recèle quelques secrets bien cachés, la Quebrada de Jéré, une oasis encaissée au fond d'un canyon où coule une rivière qui est complètement invisible depuis le désert environnant. Au fond de cette gorge, règne un microclimat très différent du désert alentour. On y cultive des coings, figues, poires, abricots et un raisin dont on tire un vin très apprécié dans la région. La grande fertilité des terres est due à la rivière Jéré qui apporte les minéraux et les nutriments arrachés au sol volcanique de la montagne. Les habitants stockent leurs récoltes dans ces caves creusées à même la roche qui est très isolante. À 38 km de San Pedro de Atacama se trouve le village de Toconao. Son église, de style colonial, date de 1750. Les maisons sont construites en pierre liparite, une pierre volcanique très appréciée pour ses qualités d'isolation thermique. Même si l'industrie automobile est balbutiante dans la région, les Indiens vivent aussi de tissage qu'ils vendent aux touristes de passage. Au sud de San Pedro, au pied des volcans Lascar et Liconcabur, le Salar d'Atacama. Avec ses 3000 km², c'est l'une des plus grandes réserves de lithium au monde. Le sel du Salar provient de la dissolution des minéraux volcaniques des régions environnantes. Ensuite, les eaux s'évaporent et les sels apportés s'accumulent, formant une croûte solide de sel. Parmi les 6 espèces de flamants vivant dans le monde, 3 vivent ici. Le flamand chilien, le flamand des Andes et le flamand de Gels. Un petit apéritif dans la fraîcheur du coucher de soleil clôturera cette journée inoubliable.